gens, c'est Draxurio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 76. Aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur Fallout. Alors aujourd'hui nous allons continuer, alors il risque d'y avoir des ellipses, il risque d'y avoir des coupures au montage, parce qu'il y aura peut-être des moments où il n'y aura rien du tout. Donc il y aura peut-être des montages où, je serai obligé de couper au montage pour pas que ça soit trop long. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, on allons continuer notre aventure sur Fallout. Donc, on va continuer avec la confrérie de l'acier. Petite nouvelle, demain, je live, donc mercredi. Demain, je live, donc de, comme d'habitude, de 21h30 à minuit. Sauf que si je vois que ça bug ou quoi que ce soit, samedi, ça sera pas sur YouTube, mais ça sera sur Twitch que je liverai. Donc on fera comme d'habitude. Les jeux au début. On va aussi faire le procédé Twitch Discord avec les abonnés. Donc ça ne changera pas. Donc voilà. Donc vous savez à peu près ce qui risque d'y arriver si YouTube bug pendant le live. Et si je vois que sur la suite ça peut aller et puis qu'un de ces jours ça bug vraiment ou quoi que ce soit, j'irai sur Twitch. Je vous dirai clairement, je vous dirai bah voilà, la prochaine fois j'irai sur Twitch et basta YouTube. On restera pour les vidéos sur YouTube, ça on n'a pas le choix. Mais pour les lives, Twitch si ça va vraiment pas. Donc voilà. Donc je remercie encore les personnes qui ont rejoint la communauté du dragon. 131 abonnés. Et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, alors je suis ici. Donc j'ai avancé depuis la dernière fois. Par contre j'ai l'impression que ça lagait un peu. Bon, alors attendez. Pourquoi ça lag? Là, je l'ai mis un peu plus fort. Tant que ça se fasse. Donc aujourd'hui nous allons partir là-bas. Ici. Donc ça n'a pas l'air loin, mais entre là et là, il y a une chaîne de montagnes. Et je crois bien qu'il faut faire le tour, faut passer par là. Alors je sais pas si on peut passer par les montagnes, mais on va essayer. On va complètement essayer. Donc si vous voyez que il y aura du montage, des trucs, des bidules, des machins, ça sera normal. Donc voilà. Donc je suis désolé si ça lag un peu, en ce moment ça déconne un peu OBS, faut que je fasse la mise à jour. Donc voilà. Donc la dernière fois sur Fallout 76, on avait continué notre aventure avec la confrérie de l'acier pour aller sauver des gens. Donc on a pu recruter une recrue. Nous sommes passés à aide à la personne. Donc on a été promu, je sais plus trop comment ils disent en Fallout. Mais on a été promu et ça a été cool. Donc voilà. J'aime pas un peu. En temps normal, c'est un jeu que j'aime bien jouer à deux. Donc s'il y a des personnes qui sont sur Xbox et qui ont le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça pourrait m'intéresser si ça vous intéresse. Si ceux qui sont même de gros niveau pour m'aider un peu à avancer, ça me ferait plaisir. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai le jeu et c'est vrai que je stagne un peu au niveau des niveaux. Au début on était deux et vu que monsieur est devenu papa, donc on peut pas
peux pas lui demander grand chose, puis je préfère qu'il soit comme ça. Donc si tu passes sur la vidéo, je te fais un coucou à la personne à qui je pense. Et je pense que s'il passe, il se reconnaîtra, je pense. T'as été écrasé, mon pote. Récupérateur. Pas, les fleurs m'ont fait des dégâts. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé le. Donc on continue, on continue. Donc apparemment, c'est toujours aussi magnifique. C'est ça le problème, c'est que même si on fait des ellipses ou quoi que ce soit, le souci. J'ai vu un truc qui me plaisait pas là. Parce que dans cette zone, c'est une zone que je n'apprécie pas trop à venir. Alors attendez. Donc on est. Oh, on arrive vers la chaîne. On arrive vers la chaîne de montagne. Alors je pense que la chaîne de montagne, on est déjà dessus. C'est juste que c'est un peu plus long. Oh, j'ai horreur de cette zone, il fait tout noir. Ça va qu'il y a le Pit Boy pour faire un peu de lumière parce que clairement ils ont toujours été comme ça sur les Pit Boy. Ça c'était cool. Quand même certaines zones quand tu voyais vraiment pas ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une des choses quand même que le Pit Boy a pu rajouter clairement. Le Bourbier. La région du Bourbier possède de nombreux risques. Environnement, mais un masque à gaz permis de signer. Ah ouais, j'ai pas de masque à gaz. Le truc, c'est que là, il y a beaucoup de trucs de radiation. N'empêche, c'est ouf quand même. On pourra toujours dire. Wow, les arbres, c'est plus des arbres, c'est quoi? On dirait qu'ils sont branchés à la terre. C'est ouf quand même, c'est ouf. Ce que j'ai vu par terre là, ça m'a pas fait un peu plus. On va passer comment? On va faire un grand demi-tour. Là, cette zone là, c'est la risque à tout là. Ça manque un peu quand même le procédé bizarre ça. Les champignons qui est autour une souche comme ça. Les premières zones, je la connais bien, la première zone. La zone la plus, ouais, on va dire la plus facile, on va dire. Il y a toujours des risques à avoir. Il y a certaines zones, il y a des écorcheurs que tu tombes, voilà. T'as les robots qui sont un peu foufous. T'as des œufs de, je sais pas trop quoi. Mousse. Ah non, c'est des mousses. Ah, faut être aux aguets dans cette zone-là. C'est pour ça, il n'y a vraiment personne dans cette zone. Quand on regarde sur la map. Alors, attendez. Le jeu a crash. Ma cam n'a pas crash, mais moi j'ai crash. Donc, comme vous le voyez, alors il y a une, deux personnes. De niveau 80. 160. Et il n'y a personne d'autre. Le reste des personnes sont de l'autre côté. Clairement, cette zone, c'est la zone safe. Là, c'est la zone
un peu plus, voilà, un peu plus costaud. Mais là, c'est la zone chiante, quoi. C'est jusqu'ici, et là, c'est la zone casse-couille. Donc, ouais, c'est la zone où tu traînes, c'est pour te dire, voilà, je me fais de l'XP, je suis à fond de balles, j'ai tout le temps des balles, j'ai tout le temps des machins, j'ai tout le temps des machins. Mais c'est pas la zone où... Ah, alors, on passe par où là? On passe par où? En tout cas, c'est magnifique, hein. Il y a beau à dire, il n'y a pas à chier. C'est quand même magnifique. Alors le truc des marais comme ça, c'est que la plupart du temps, il peut y avoir des écorcheurs. Mais c'est bizarre parce qu'ils n'auraient pas mis une ville à côté. Donc je pense que elle est un minimum safe quand même. Un minimum safe. Quoi ça? Même après l'apocalypse, il y a des trucs, des déchets. Ouh là là. Tant qu'ils me disent pas qu'ils ont rajouté des crocodiles, moi ça me va. Oh la poisse. Mais quelle poisse! Pourquoi j'ai accepté? Oh la vache! Alors, je sais pas où mon tas, si vous l'avez. Je le referai, je ferai peut-être une pause. Mais ce que j'ai vu là m'a pas plu du tout, quoi. M'a pas plu du tout. Une merde pas possible. J'espère pas qu'il va falloir que je me batte contre ça. Parce que j'ai déjà pas beaucoup d'armes. Donc j'ai que le revolver avec un minimum de balles. J'ai le fusil à pompe avec une cartouche. J'ai un fusil de précision avec 33 cartouches. Ouais, ça risque de faire mal quand même. Peut-être pour ça qu'ils ont fait des trucs retraite. En tout cas, c'est magnifique. Ce qu'ils ont fait là. Ah, vous direz plus que les gamins jouent dans les arbres, moi. Même les vieux jouent dans les arbres. Regardez. Alors, il est où? Il est là-haut. Jenny Brown. Jenny Brown. Brownie. Brownie. J'ai bien envie de te dire quelque chose, mais bon. Ah, allez, d'accord. Coquine. Coquine. D'ailleurs, où est d'ailleurs? D'ailleurs. Neuf, 51. Attends, mais ils sont où? Ils sont dans la même zone. Satan, les aigles sont blancs.
Donnez-nous nos manières. Nous avons des camarades qui meurent de faim. C'est moi qui gère la réserve. Et je dois me coltiner ces lieutenants chaque semaine pour leur collecte. À la moindre occasion, ils peuvent utiliser leur lance-roquettes améliorées et réduire ce village en miettes. Elle et ses aigles sanglants sont bien trop coriaces pour nous seuls. Mais quelque chose doit être fait. J'espère que vous êtes la personne pour ça. Une meute de ratons vicieux m'encerclait quand des membres de la famille de Miss Jenny sont arrivés. En plus, c'est bien qu'ils aient rajouté des bottes. Au moins, les... à la place d'aller chercher des disquettes, c'est vrai que... Il ne reste plus à nous débarrasser de Dagger. Quelle question! C'est la piole la plus cool qu'on trouve en période d'apocalypse. C'est vrai que... Je me sens ici chez moi. Et on forme... C'est vrai que sur ce point... Débarrassez-nous de cette Dagger et rapportez-moi ma durée minute. C'est vrai que sur ce point, il peut y avoir... Il peut avoir raison. Quand tu regardes bien, après une apocalypse, je pense que la meilleure solution, c'est soit de vivre au sol avec un risque pas... avec un risque non zéro de se faire attaquer par des bestioles très très méchantes, dont je fais allusion à la maman qu'on a croisée tout à l'heure, et aux écorcheurs, aux machins, aux bidules... tout ce qui est petit et mignon, mais tout ce qui est chiant, quoi. Tout ce qui était crabe est devenu gros, tout ce qui était rataupe est devenu gros et t'attaque pour un oui, pour un non. Non, c'est à déconner, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se construire une cabane et quoi que ce soit, de se planquer dans une cabane, ça doit être... Après, c'est vrai que si, par exemple, le corps, une écorcheur ou quoi que ce soit t'attaque, je pense que tu sois dans une cabane, dans un arbre ou quoi que ce soit, je pense que l'arbre... Bon là, c'est un jeu, l'arbre il bouge pas, mais c'est vrai que... C'est vrai que... Mon partenaire et moi étions terrés dans un bâtiment, quand on a entendu des gens entrer et commencer à fouiller l'endroit. Nous étions terrifiés à l'idée de devoir combattre. Mais au lieu de ça, Miss Jenny nous a accueillis à bras ouverts, nous a offert une place dans la famille. Aidez-nous à donner à Dagger ce qu'elle mérite. Dagger, putain. Alors attendez. Parlez à Dagger, certains villageois. Il y en a un qui est barré. Des moustiques. Chier. Oh, putain. Il y en a un qui est radio. Ah, chier. Fais mal, sale chien. Putain de moustique. Je suis coincé. Bon ben... Attends, mais il prend pas ses cartouches.
Bonjour. Excusez-moi, mais on se méfie des étrangers en ce moment. Je sais surtout qu'elle est maligne et très bien entourée. Voilà. Cholet, il a disparu. Du coup, les colons refusent de commercer avec nous, de peur de perdre des membres. Je peux les comprendre. Les sbires de Dagger nous demandent des provisions. On a de plus en plus de mal à leur fournir. Franchement, elles cherchent juste une explication. Attention au bord par ici. D'accord. Alors je suis mort de je sais pas trop quoi. Je pense que c'est ouais. Oh bah oui. Secours. Putain, j'ai plus de... C'est l'eau qui est radioactif. C'est l'eau qui est radioactif, c'est pour ça. Je vais chercher mon cadavre. Bah oui. J'avais l'impression que c'était l'eau, mais j'ai pas l'impression tout compte fait. Il est mon sac. Bon, bah tant pis. Je sais pas ce que j'avais. Ouais, bah je peux plonger. Ah, je peux plonger, oui, entre parenthèses. Mais je prends plus des radiations qu'autre chose, donc... autant que j'aille faire la mission. Pour de toute façon, je devais pas avoir grand-chose. Ils ont une armure assistée. J'en ai une, mais je sais pas où elle est. La dernière fois que je l'ai utilisée, je sais pas ce qui est arrivé.
qu'elle soit folle alliée, elle s'est constituée un groupe de fidèles lieutenants prêts à sacrifier leur vie pour elle. S'ils ne la suivaient pas comme son ombre, j'aurais déjà tenté de lui faire la peau. Mais vraiment. Oui, ça c'est sûr. Je suis prête à tout pour protéger la mienne. Si nous voulons vivre en paix, oh merci. Faites très attention. Oui. Dagger et ses lieutenants sont vraiment. Alors par contre, je vais faire un truc. Hop. Fabriquer, faire des balles, des munitions, 30, attendez, c'est un quoi déjà le mien? J'ai utilisé. C'est un 44. C'est encore une cute. Je crois bien que je peux pas en faire. Ah, je me trompe à chaque fois. Il y a tellement de touches. À la place de faire un truc, ils auraient pu faire juste un entrée et puis choisir la munition. 44. Ouais. Voilà. J'utilise quand même beaucoup mon Magnum 44. Donc. Donc Wally Walou. Alors, prochaine destination. Trouver la planque des aigles sanglants. Ok. Donc ouais. Bon, allez les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Donc ça a été surtout de la balade pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'il y aura un peu plus de. J'ai encore utilisé un steampack. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'il y aura un peu plus de. Comment? De. Un peu plus de. Comment dire? Un peu plus de peps, on va dire. Un peu plus de tir, de machin. Donc, je pense que la prochaine fois, je le ferai en live. Qui sera peut-être beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour tout le monde. Surtout pour moi. Et puis pour vous, je pense. Donc, voilà. Bon, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous.